Bon. Tant pis. Faut qu'on aille chercher. Attendez, faut que je fasse un des puits en bois. Pour passer à la... Vous voyez? Mais si, c'est clair avec mon... Passer au stade supérieur pour la ville. Enfin, pour la... Pour notre hameau. Pour notre truc, quoi. Bon, on a trois habitants, trois bâtiments à tout péter, donc c'est pas non plus. Si, là, voilà. Je savais bien qu'il y avait un truc qui traînait quelque part. Outils. Toi? Ouais, c'est dommage, hein? Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, créer un épieu. Et comme ça va valider le chapitre 2. Voilà. Très bien. Et il faut que je flirte. Et il faut que je finisse des quêtes avec les voisins. Et ça nous a pas donné plus de place, c'est pas grave. Donc toi, tu vas aller travailler, c'est bien, t'es une grande fille. Et moi, il me faut un mec. Mais c'est le 12 que j'ai. Je sais pas s'il change dans l'année ou en saison. Il me semble que c'est l'année. Donc quand t'en prends un, qu'il n'y en a plus, il y en a un autre qui arrive. Les habitants, hein, je parle. Mais ça implique qu'il faut que je rachète des graines parce qu'en fait, on est en été. L'été. J'ai la musique d'Olaf qui me vient en tête, mais c'est pas grave. L'été, c'est quoi, les choux? À la fin de la saison, si tu ne lui as pas parlé, il me semble. Ok. C'est les choux en été, hein. Bon, let's go. Comme ça, pendant que... Elle a ce qu'il faut ou pas? Attendez. Attendez. Oui, elle a ce qu'il faut. Donc en fait, c'est le pavillon qui a pas. Agriculture, c'est normal. Ok. On va aller à... Dranica ou... Je sais pas quoi. Mais je me demande s'il n'y a pas des sangliers par là. Parce que en vrai, se faire un sanglier, ça pourrait être cool. Mais moi, quand je chasse, en fait, et que j'ai pas de d'arc, je chasse avec ça. En plus, elle est en fer, donc elle fait plus de mal. Il me faut la map. La map avec... Ouais, faut que je remonte dans ce sens-là pour normalement avoir les sangliers. Et de toute façon, j'ai du plantain. Donc s'il y a besoin de me soigner, au pire, j'essaye de lui faire le plus mal possible. Je me soigne, je me soigne. Et bam, je rattaque. Il me semble que par là, il y en a. Alors, les lynx nous attaquent pas. Sanglier, voilà. Eux, par contre, voilà, c'est des sauvages. Eux, c'est des sauvages. Là, 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 là. Vite, 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 fais-lui mal. Avec la hache en fer. Ah là là, cette efficacité. Bon bah voilà, comme ça j'ai du cuir. Et moi j'ai bien envie de me taper le culot, bah de continuer en fait. Parce que si je peux
ramener d'autres bidoches. Mais là, par contre, ils sont deux. Là, ça fait un peu beaucoup. Ils veulent pas se séparer, là ? Parce que là, je vais me faire défoncer, sinon. J'ai plus de place. Ma maison, elle est où? Oh, bah en fait, je la vois d'ici. Oh, regardez ça. Ça va être bien. Je vais lui mettre la hache en fer. Bah, la moins bien. Enfin, la plus abîmée. Chou, hein, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Comme ça, Ginette, elle va pouvoir continuer à travailler. Pendant plus, au moins tout ça. La hache en fer, ben voilà, nickel. Couteau en fer, ben je vais les garder. Ah, j'ai un sanglier ici. Et il est tout seul. Petit. Viens voir maman. Là, je suis là. Oh, je suis là. Voilà. T'es où? Voilà. Et bah voilà. On va plus mourir de faim. Perfect. J'avais peur qu'il y en a un qui m'attaque. Un seau, ça, très pratique. Ce serait bien que j'en remplisse d'autres d'ailleurs. Non mais je suis contente. Moi j'ai des petits paniers aux nousiers. Je peux vous dire que niveau déco, je vais être bien. Oh la vache, du fil de laine. Tissu. Ok. Oh là là, j'ai plus de place. J'ai plus de place. Bah c'est jackpot là. Hein. Clairement. Des petites choses pas mal là. Alors que je profite de leur feu de camp, enfin de son feu de camp puisqu'elle est toute seule pour l'instant. Vas-y, fais-moi ça. Bah on aura quand même bien avancé hein. Je trouve hein. Bon, clairement, ça a merdouillé au niveau de la saison. Les plantations, pourtant j'ai commencé par le champ. Hein. Mais j'ai merdé. J'avais complètement zappé le sac. Et sans le sac, on peut pas mettre le fumier sur le champ. Et on peut pas semer. Donc vraiment, le sac, il est quand même... il a une double importance, quoi. Et il commence à avoir la dalle. On va leur rajouter à manger dans le coffre. Je vais lui en mettre 10. Je vais me garder les 9. Et puis, ça ira très bien comme ça. Voilà. Alors, manger. Comme ça, je t'ai dit... Voilà. Je vais aller ranger mon surplus. Bon, la deuxième saison sera déjà mieux. Déjà, et puis on n'aura pas de faim non plus. Alors. Bâton, non, couteau, non, cuir. Ouais. Oh, d'ailleurs, le cuir, je viens de penser à un truc. Si, on va se le garder. Je vais y arriver. On va se le garder. Parce que je sais plus c'était quel patelin. Il y avait une quête là-dessus. Ah, la houe de fer, elle a 50% par contre.
Putain, j'ai tout ça en saut. Merde. Ah oui, je devais faire les pieux, oui, c'est vrai. On va s'en servir à un moment donné. Et voilà. Ok. On n'est pas ultra plus léger. Mais c'est toujours mieux que rien. Et niveau bouffe, on remonte un peu. Sanglier, c'est pas mal, hein. Et franchement, sans la hache, le sanglier, ça aurait été un peu plus compliqué, hein. Pas se mentir. Alors, dans le tonneau, carreau de bois, carreau de bronze. Eh bah, dis donc. Oh, quand on va aller vendre ça, Mazette, la tunasse. Attention le standing, hein. Moi je vous dis, ça a pu déconner. Hein. Parce que on a déjà le vêtement là. On l'avait chopé ailleurs. Oh, un arc! Oh, un arc recourbé. Et on a déjà quelques flèches. Il y en a d'autres qui sont dans la maison d'ailleurs. Oh, punaise. Oh, mais c'est trop bien ça. Ça, va falloir qu'on les plante. Oh là là, mais comment il est trop bien ce camp. J'ai tout fait, hein, normalement, j'ai fait tout le tour. Bah alors là, franchement, c'est la régalade. Hein. Aux petits oignons. On va se faire une thune. Parce que on a deux couvre-lits. Rien que les deux couvre-lits, il y en a déjà pour 1000 pièces. Déjà. Donc, on va se mettre bien. J'aimerais bien qu'on finisse par aller chercher l'autre... L'autre habitant, ça me déplairait pas et on finirait le live là-dessus. Bois de chauffage, je te mets tout. Ouais, couvre-lit, vous voyez, 500 pièces. Et là, on a deux capuches longues en fourrure. 520. Les carreaux, on va les mettre là, de toute façon. On verra ça plus tard. Les flèches en... On va les garder. Ça, je vais les mettre là pour l'instant. De toute façon, ils en feront rien. Voilà, comme ça, ça allège un peu. Et on est bien. On est bien, on est bien. On se tente... Denica, alors. Eh bien, je serais bien d'avis. Toi, t'es la cuisinière, voilà. Je vais te vendre des trucs. Voilà. T'as déjà... Déjà, ça, c'est pas mal. Ah, elle vend deux fois moins cher, elle. Mais attends, je me suis fait entuber, là. D'où? Il y a la vendeuse de... Parce que elle rachèterait pas plus cher. Be welcome, stranger. Best goods in the valley. Non, c'est 250, hein. Ça veut dire que d'un patelin à un autre, c'est pas la même? Alors, est-ce c'est la grande sacoche qu'on peut cumuler avec le sac à dos. Voilà. Et donc, elle donne 10 kilos de plus. See you soon. Inventaire. Grande sacoche. Se cumule avec le sac à dos, pourquoi tu te mets pas? Ah, ça va commencer à m'énerver. Pourquoi ça veut pas? Bah attendez,
mon grand sac à dos. Ah non, j'ai pris deux fois la grande sacoche, mais putain, mais c'est pas possible d'être aussi nul. Putain, je perds de la thune dessus, quoi, bêtement, ça m'énerve. Alors, c'est le grand sac à dos que je voulais prendre. Voilà, grand sac à dos ordinaire. Voilà. Je vous jure. Have a good day. On a 65 kilos. Bon, c'est toujours ça. Ouais, ce serait à la rigueur ça, le dénominateur commun entre les deux. Donc, je venais pour embaucher quelqu'un. Monsieur, dites-moi. Oh putain, il est bon en agriculture, lui, ça peut être intéressant. Ça, par contre, il est nul en chasse. T'es nul en chasse, toi. I was live treating you. Ouais, monsieur, je t'embauche quand même, moi. Comme ça, je crois en toi. Non, c'est surtout que je vais peut-être bouger l'autre. L'autre, elle est comment? Elle est deux en chasse, donc elle, tu vas bouger, tu vas aller au pavillon de chasse. Voilà, et c'est lui qui va passer en abri à bois. Voilà. Très bien. Impeccable. Ça, c'est du beau boulot. Mais tu sais que je pourrais en être capable. C'est-à-dire que vu mon état de fatigue du moment, typiquement, ça, c'est... Ouais, c'est clairement le genre de connerie que je serais prête à faire. Et puis vraiment, mais genre... si, enfin, comme si c'était normal, évident, logique, tu vois. Dagobert, t'as pas mis ta culotte à l'envers, toi. Bon. On va acheter avec le peu de sous qui nous reste parce que j'ai tout mal dépensé. Le chou. Printemps ou été? Je peux acheter pour combien? Pour 50. Ça fait peut-être beaucoup de choux, non? On va faire 40. Histoire que j'ai encore un peu de pièces, tu vois, histoire de dire que je suis pas fauchée. Ok. Bah, rentrons à la maison. Et est-ce que pour rentrer, on partirait pas sur un autre chemin? Genre, en fait, au lieu de tourner à gauche, on tournerait à droite. Du chou, mes beaux choux! Ah, ça, vous avez peut-être pas la référence. Ça, je ne pense d'ailleurs sérieusement pas que vous avez la référence. Mes choux, mes beaux choux. Mais d'ailleurs, la route qui part dans l'autre sens, elle est où? Bah déjà, je suis pas dans le bon. Ça risque pas. Ah, oh, je vous jure. Donc, toi, t'es là et moi, c'est le chemin là que je vais prendre. Parce que je vais me promener. On sait jamais, hein, si on tombe sur quelque chose d'intéressant. Je crois en toi, Vassilia. Bah, t'as plus foi en moi que moi en moi, hein, je te le dis. Renard, sanglier, ok, on découvre des zones de chasse déjà. Ça, c'est intéressant. Ok, il y a un ruisseau, est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs? Le loup! Oh nom de Dieu. Oh, il y a une caisse. Une pelle, de l'argent, ah oh ouais, et du minerai. Ok.
Alors, les loups, vous êtes mignons. Vous venez pas attaquer moi. S'il vous plaît. Il y a un élan là-bas. Alors, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu cours pas? Parce que si jamais il est dans le coin... Oh la vache, c'est du bison. Oh la vache, c'est du bison, cours. Là, par contre, faut courir. Parce que alors, eux, quand ils chargent... Putain, il y a un loup là. Je vais mourir. Pas content là, le loup. Pas content du tout. Bah ouais, mais en fait, ma maison, elle est par là. Oh, un raid! De Charlie Burn Swag. C'est gentil à toi. Bienvenue. C'est un peu tendax mes affaires en fait. C'est même beaucoup très tendax. Il est sur la gauche, donc si je reste sur la... Non, il est sur la droite, si je reste sur la gauche, ça devrait être bon. Serrez les fesses. Avec un peu de chance, ça passe. Ça passe. Ah, non, parce que les loups, je les aime bien, hein, mais loin. Très, très loin. Le plus loin possible. Ils font mal, les salopios. Hein. Ouf. Les loups, les bisons, les sangliers. J'en oublie pas un. Loup, sanglier, bison. C'est les pires. Franchement, c'est les pires. Eux, ils vous voient, ils chargent. Ça fait pas dans la dentelle. C'est des baies que j'aurais pu récupérer. C'est des baies qu'il va falloir que je récupère à un moment donné. Là, il me semble que je reconnais, il faut que j'aille sur la gauche. Ça va, on est en train de... On a passé une première saison pas top top parce que, en fait, j'ai merdé. C'est, je trouve, moins évident de rester concentré quand on est en live. Donc en fait, j'ai fait des conneries, tout simplement. Voilà. Donc ça n'a pas été une bonne saison. Oh ! Une faucille en bronze, tige de lin. Ça, ça m'intéresse. Et toi, tu faisais quoi ? Bon, et puis on va arriver au niveau de la maison. Enfin, faut partir sur le côté pour la maison, mais... Maison est quelque part par là. Normalement. Ma maison ! Là. C'est ça, ouais, cours ! Parce que t'es sûr. Ça déconne pas. On va finir ce foutu champ de la mort là que j'ai merdé. Alors, outils, ou en bois, voilà. Et comme ça, après on va planter nos choux. Y a peut-être moyen qu'on débloque... Voilà. J'allais dire qu'on débloque un bâtiment. C'est peut-être pas un bâtiment. Voilà, c'est une compétence. Alors, 5% supplémentaires acquises lors d'activités agricoles. Je valide. Et d'un point de vue technologique, le poulailler.
Les petits jeux rétro d'arcade, d'accord. Le poulailler serait... Je pense qu'à la fin du champ, là, ce sera bon. Ça va nous donner pas mal de points. Parce que entre là, le labourage, déposer le fumier, bêcher, planter... d'ailleurs, ça sert peut-être pas à grand chose que je fasse aussi grand. Pourquoi c'est non ? Ok, tu me laisses peut-être des brins d'herbe, c'est pas grave. Parce que j'ai pas non plus des centaines de graines. Donc, on va s'équiper du sac. Et on va... Oh là, je commence à avoir la dalle. Putain, il est 19h20 par contre. On va jamais y arriver. Donc le sac. Ensuite, ça marche comment? Semer. Je l'ai pas équipé. S'il était équipé. Choix des semences, c'est l'autre. Ok. Champ. On va prendre donc l'engrais. Voilà. Ça. C'est pas ça non plus. Voilà, c'était ça. Donc vous voyez, quand je vous dis que vous faites vraiment tout à la main, c'est vraiment vous faites tout à la main. Et après, quand vous avez un employé dans la grange, vous avez deux types en fait de postes. Soit vous avez vraiment donc le fermier, donc lui il est vraiment dans le champ. Soit vous avez l'ouvrier de grange. Donc le gars dans le champ, en fait, admettons vous faites un nouveau champ. Voilà, il n'y a absolument rien de fait. Automatiquement, lui s'il a le matériel adéquat, donc là où, il va commencer à vous bêcher un peu le champ, à vous préparer le champ. Ensuite, si au niveau du champ, vous déterminez, bah voilà, sur telle zone, je veux que tu me plantes ça, sur telle zone, je veux que tu plantes ça. Lui, ensuite, bon, il va, de toute manière, une fois avoir fini de bêcher, il va mettre du fumier, ça c'est recta. Ensuite, bah, il va rebêcher pour mélanger le fumier. Et ensuite, il sèmera ce que vous avez déterminé sur le champ. Donc, il peut, voilà, si le champ est déjà fait... Voilà, lui, il va juste continuer. C'est-à-dire qu'une fois que la récolte, elle est faite, hop, il va remettre du fumier, hop, il va bêcher, et comme ça, le terrain, il est prêt à semer. Si vous avez déterminé à nouveau de quoi semer, lui, il va enchaîner. Si vous n'avez rien déterminé, c'est à vous de le faire. Ensuite, donc, il faut choisir la semence, et on va planter donc du chou. Donc, en fait, j'ai l'impression... Non, merde, il faut que je le fasse là où d'abord. Et elle va me lâcher. J'en ai une autre en fer que j'ai volée. En vrai, le vol suivant l'outil, surtout les vols les outils en fer, c'est grave intéressant quoi. Voilà, elle m'a lâché. Et j'en ai vraiment pas d'autre sur moi. Voilà, là, où en faire? Toc. T'es équipé ou pas? Non. Voilà. Ouais, même les 40... Les 40 graines, ça va pas être suffisant. Enfin, je vais pas avoir assez de place. Je sais plus c'est un combien par combien que j'ai fait. On va aller dans gestion. Dans champ. On va aller dessus. Et là vous voyez. J'ai donc. Alors j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Donc ça me fait 88 en placement. C'est facile voler. Faut juste t'assurer que tu n'es pas dans le champ de vision de quelqu'un. Et tu peux vendre les objets volés dans un autre village, pas dans celui où tu l'as volé. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, en fait, j'en ai donc une partie. Donc tout ce qui est grisé, c'est pas labouré. Tout ce qui est en espèce de violet très foncé, c'est ce que moi j'ai labouré. Les trois qui sont tout seuls, c'est ce que j'ai fertilisé mais que j'ai pas encore labouré. Et après, quand vous allez là-dedans, vous pouvez déterminer en fait voilà, le type de plante que vous voulez mettre à quel endroit. Voilà, et lui en fait il va le faire automatiquement. Mais en fait, ça moi je l'automatise pas parce que j'aime bien faire. Et comme ça, j'ai un suivi de mon champ. Quand si jamais je veux changer, ça m'évite d'effacer et de machin. Et comme ça, de toute manière, je gagne les points. Oh, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais moi, ça me convient comme ça. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir planter le chou. À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous. Aussi, ouais. Et il y a un truc que j'ai horreur, je sais pas si toi ça te fait pareil, mais c'est quand t'es dans le champ et que t'as quelqu'un qui vient t'aider à quoi en gros, ni plus ni moins. Et admettons, là je mets du fumier. Mais le gars, admettons, il a tout le reste du champ. Et ben non, il vient avec sa houe te coller au train parce que tu viens de mettre le fumier et que c'est là qu'il a décidé de venir te faire chier. Moi, ils me le font souvent. C'est pénible. Pas moyen d'être tranquille dans mes champs. Donc, ce que je fais, c'est qu'avant de travailler un champ, je leur pique tout. S'ils veulent me foutre du fumier, ils peuvent plus. S'ils veulent labourer la terre, je leur enlève la houe. Je les punis. Je les empêche littéralement de travailler pour avoir la paix parce que sinon en fait il me colle au train et t'es là, t'as quelqu'un, ça me barre ou quoi. Il y a un ordre de case à suivre pour les fermiers. Je suis désolée hein, mais moi tu vois je fais toujours comme ça, donc je prends toujours dans l'ordre, je fais un petit serpentin et lui en fait il va prendre deux cases là. J'appelle pas ça un ordre, quoi. Enfin, j'appelle ça un désordre, hein. Admettons, moi, je commence ici, mais t'as le reste qui est là-bas. Non, il va te coller au train. Et toi, tu vas à l'autre bout du champ pour avoir la paix. Non, il vient te suivre. T'as envie de te dire, s'il y a un ordre et qu'il suit ton ordre, tu suis l'ordre. Tu viens pas me faire chier 2 kilomètres plus tard parce que tout à coup, t'as décidé de me coller au train. Donc, soit c'est moi qui n'ai pas compris le système, soit il y a vraiment une couille dans le potage, quoi. Il y a quelque chose qui... Ça va pas. Il y a un ordre de tâche. Mais ça, l'ordre de tâche, ils le font bien. Ça, par contre, il n'y a pas de problème. Le mec, il va d'abord foutre le fumier. Une fois qu'il a fini de foutre le fumier... Il va labourer, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est le fait que te colle au cul, ça c'est chiant. Ça c'est vraiment chiant. Bon, puis on va s'arrêter là-dessus. Je vais sauvegarder la partie que je vais appeler Twitch. De toute façon... Moi, c'est sur le PC que je joue au jeu, donc voilà. Et puis, on aura quand même bien avancé. Pas comme je l'avais prévu, hein, parce que j'ai quand même de très bonnes connaissances du jeu, donc là, clairement, j'ai chié dans la colle. Mais tant pis, c'est pas grave. Très agréable comme stream, merci beaucoup, merci d'avoir été présent. Merci Pintigrou, j'espère que ça t'a vraiment bien donné envie de le tester toi aussi, de jouer au jeu. Et puis j'ai la caméra qui est trop bien,
placé depuis tout à l'heure. Et qui... Voilà, j'espère que tu joueras au jeu, que tu me donneras des nouvelles. Tiens, si tu joues, n'hésite pas d'ailleurs sur mon Discord, dans la partie autre jeu, je crois que c'est ça que je l'ai appelé. N'hésite pas, je sais pas, à faire des captures un peu de ton village, tes habitants, de ton petit potager, je sais pas. Enfin, si tu te lances, n'hésite pas. Ouais, oh ouais, bah carrément, avec plaisir. Moi, j'adorerais suivre tes aventures. Un peu comme, Michael, il fait sur Twitter. J'aime bien, moi, je le trouve trop mignon à chaque fois de m'identifier sur tel ou tel jeu. Oh, bah, t'as vu, j'ai fait ça, t'as vu, j'en suis rendue. Puis hop, j'ai des petites captures d'écran et je kiffe. C'est voilà, petit moment de partage tout simple, mais que j'aime beaucoup. Et bah, écoutez, des bisous. Et puis, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde!